Salut, je m'appelle Myriam. Je vais te présenter mon instrument en forme de S. S comme saxophone, mais aussi comme le nom de son créateur, Monsieur Adolphe Sax. S comme souffler. En effet, c'est un instrument à vent. J'ai soufflé à l'intérieur pour pouvoir produire un son. Le saxophone fait partie de la famille des bois. Bon, c'est vrai, hein? Tout est en métal, mais j'utilise une petite languette de bois, plus précisément du roseau. Ça s'appelle une anche. Cette anche, je vais la fixer sur mon bec à l'aide d'une ligature. Comme ça, j'ai les mains libres et je peux appuyer sur les clés de mon instrument. Si je ferme toutes les clés, j'obtiens un son très grave. Si j'ouvre toutes les clés, j'obtiens un son très aigu. Écoute. Le saxophone, ce n'est pas qu'un seul instrument, c'est une grande famille. Il y a le saxophone basse, le saxophone baryton, le saxophone ténor, le saxophone alto, le saxophone soprano et encore un plus petit, le sopranino. Si tu es assez grand, tu peux commencer directement avec le saxophone alto. Si tu es un peu plus petit, tu peux commencer avec le saxophone soprano, pas sous sa forme droite, mais sous une forme courbe qui ressemble un peu à l'alto. Écoute le son. Voilà, merci. Peut-être à bientôt.